Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de dénudage. Et oui, jusqu'à maintenant, dans mes vidéos, vous m'avez toujours vu faire ça comme un gros cochon à l'Opinel. Donc ça y est, je me suis enfin décidé. J'ai trouvé ce qui me convenait, c'est-à-dire une pince à dénuder qui est relativement polyvalente, qui a l'air solide, qui ne coûte pas un bras, et adaptée pour les petits fils, puisque après tout, je ne fais que du petit fil. Donc normalement, on peut choisir différents réglages. Alors j'ai essayé différents réglages, effectivement. Moi, j'utilise toujours le réglage maximum ici, et je pense que je ne vais pas trop y toucher parce que ça reste quand même une pince en plastique. Donc sur du gros fil, ici, on a la pince coupante qui permet, tac, de commencer le boulot. Ensuite, on choisit bien évidemment la longueur que l'on veut dénuder. Tac, on tire, on relâche. Il n'y a plus qu'à torsader et à souder. Donc je trouve que c'est propre et très bien coupé. Là, on est sur du fil d'alimentation PC. Si on prend un fil beaucoup plus fin, donc ça, c'est les câbles qu'on va trouver pour les LED, LED power, LED disque. Donc voilà, c'est un fil qui est plutôt fin, qui a tendance à partir un peu en sucette quand on essaie de le dénuder. Là, encore une fois, la coupe se fait très facilement. Je choisis ma longueur. Je relâche. Et on peut voir que c'est très, très bien coupé. Prenons un autre fil standard, donc une bobine toute neuve. Même chose, on dénude, ça se fait tout seul. Et avec un fil beaucoup plus fin et très souple. Ça, je crois que c'était des câbles que j'avais eu avec des prises Dupont. Tac. Encore une fois, c'est bien coupé. Et c'est très bien dénudé. Voilà. Donc ça y est, maintenant, je peux dire que je suis équipé pour faire, pour dénuder correctement mes fils. Donc voilà, c'est la marque Jocari. Vous trouverez ça très facilement sur Amazon, si je me souviens bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, fini les dénudages à l'Opinel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.